Le comité technique des réformes institutionnelles a rendu public son rapport final. La présentation du dit rapport et sa remise officielle au comité des réformes institutionnelles présidé par le Premier ministre a lieu ce samedi matin à N'Djamena. À suivre le point dans un instant. Le monde célèbre aujourd'hui, 25 novembre, la journée internationale de lutte contre les violences basées sur le genre. Ici au Tchad, malgré les efforts consentis par le gouvernement pour lutter contre ce phénomène, la situation de maltraitance faite aux femmes et aux enfants demeure préoccupante. Et puis la gouvernance de l'Internet au Tchad, c'est le thème de la troisième édition du Forum national sur la gouvernance de l'Internet dont les travaux sont ouverts ce samedi à la Bibliothèque nationale. Reportage à suivre. Vous regardez Télé-Tchad, mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. Avant de découvrir ensemble l'essentiel de l'actualité en ce samedi, je vous donne tout d'abord la teneur de ce message de son Excellence Idrissé Débitno à son homologue égyptien. Monsieur le Président et chers frères, j'ai appris avec une vive émotion la nouvelle de l'attaque meurtrière survenue ce vendredi 24 novembre 2017 dans une mosquée à Bir al-Abed dans le Sinaï et a causé la mort de 235 personnes et de plusieurs blessés. Cette horrible attaque planifiée par les obscurantistes, les ennemis de la paix contre les lieux de culte, et viserait à créer la psychose et mettre à mal la cohésion sociale du peuple frère égyptien. En cette circonstance douloureuse pour vous-même et pour la nation égyptienne tout entière, je vous adresse au nom du peuple tchadien, de son gouvernement ainsi qu'à mon nom propre nos condoléances les plus attristées. Tout en condamnant avec fermeté cet acte atroce, barbare et lâche, je vous exprime notre solidarité et notre sincère compassion. En formulant le vœu d'un prompt rétablissement aux blessés, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président et chers frères, l'assurance de ma très haute et fraternelle considération. Idriss Déby Itno, Président de la République du Tchad, chef de l'État.